Bonsoir à toutes les amis fidèles et téléspectateurs. Télévision ALN TV, bienvenue dans la deuxième sortie journal 509 là, pour ce matin. Rapidement, qui te présente nous divers points qui ont dominé l'actualité. Malgré OEA recommandé nomination un nouveau conseil électoral provisoire. KIP actuel là mettait d'ailleurs un nouveau calendrier électoral 26 septembre, cette date qui est réservée pour organisation élection présidentielle, législative et référendum. Là. Et puis 21 novembre 2021 pour deuxième tour élection. Plusieurs militants, acteurs politiques et membres diverses organisations base ont planqué piquet devant le ministère de justice et le ministère de l'économie et la finance pour continuer à exiger bon gens procès pour l'agent Petro-Caribéa. Et puis protester contre ordonnance juge Ramoncet Aksime est sorti 21 jours passé à un sitting qui a fini sur le bois Venat en bas barricade à Kakarotu. Le groupe gang en 4e arrosoir qui a semé la doublée depuis quelques semaines dans la commune de Kwale-Bouquet a envahi un nouveau système de forage à réservoir d'Inepa dans Kwale-Bouquet. Bandi sa yo saisi clé a et puis mandé 60 000 $ américains pour carimètre clé si là. Cette présumée bandi mouri quand connaît deux lots journalistation yo et puis plusieurs matériels tant coup munitions zam saisi. C'est bilan une opération la police nationale dans le département Nord menée dans la nuit samedi 26 juin dans un quartier qui rele nan zombi qui jouke nan tête mort dans la zone Cap Fort section communale Odicap. Ensemble, pour ça, il y a divers autres amis téléspectateurs qui peuvent développer et débrancher les déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Plusieurs militants, acteurs politiques, et membres de diverses organisations base, ont planqué piquet devant le ministère de la Justice et le ministère de l'Économie et Finance. Dans un sitting pour continuer à exiger bon gens procès pour l'agent Petro-Caribé. D'après l'ordonnance en juge Ramoncet Aksime, est sorti 21 juin passé. Nous invitons à suivre la déclaration de plusieurs citoyens qui ont fait une revendication au passé devant le ministère de la Justice qui a fini sur le bois Venat en bas barricade à Kakarotu, militant yo taboulé. Gedi Bartelmi ak Presse Blanc-Forte sur place, on suit pour plus de détails. Bonjour tous les téléspectateurs Island TV, jeudi mardi 29 juin, nous devant le ministère de justice, côté que Petro Challenger avec quelques autres organisations de base, plusieurs acteurs politiques qui même pris la ouïa pour venir contester contre l'ordonnance juge d'assortie, côté que les blanchis plusieurs compagnies avec personnalités. Moun qui était gagoté l'agent Petro-Caribé d'après membre de conseil même qui était lancé et mouvement ça devant ministère de justice côté que a manifesté plusieurs lots étudiants lui-même accompagné côté qu'a venir demander ministère de justice pour répondre avec toutes revendications journée jeudi. Donc là nous va racher quelques déclarations pour nous connaître exactement qui mode de revendication même y a demandé nous inviter ou suivre comment ça y est qui mode de revendication même y a demandé dans la rue quoi donc nous invitons suivre il y a son organisation reste avec organisation qui travaille pour américain organisation qui travaille pour Jovenel Moïse pour y a demandé cohabitation pour y a demandé conseil électoral pour y a demandé élection avec Jovenel Moïse et nous même nous connaissons. Mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Peuple n'a pas de cohabitation, peuple n'a pas d'élection avec Jovenel Moïse. C'est mobilisation qui peut continuer pour nous
écraser le projet communauté internationale là. Et c'est pour tout le monde mettre ensemble, politique, société civile, pour écraser le projet. Dans le cas, ça n'a aucune sens. Pas de CEP, pas de crédibilité. Même l'OEA qui sont organisations, reste avec, nous reconnaître CEP, ça va. Référendum 26 septembre, Michel. Là, il y a aujourd'hui à la défaut de la justice, dans un gros sit-in rassemblement qu'on a fait contre impunité, contre ordonnance de nos droits que qui nous gardent ça sur ordonnance folklorique. Que juge Gamon a si me fait sortir pour blanchir Zamine, frère, camarade et proche qui est impliqué dans le dossier Petro Caribea. La petite chose là, c'est un dossier de 4,2 milliards de dollars. Ce n'est pas un mess à faire. L'argent était là pour le développement d'un pays. Et malgré tout ça, on n'y est pas arrivé. Et bien nous avons commencé le dossier ça déjà, pour le dossier ça dérivé devant la justice. Mais je dis, il y a un juge qui a un mandat fini. Il a coupé pour renouveler le mandat. Et puis peut-être arriver dans là, ça l'a fait là. Et bien nous-mêmes, en tant qu'organisation politique de l'opposition, avec Petro Challenger, groupe avocat qui a un dossier, et bien nous campons devant le ministre de la Justice pour nous lancer un pinga. Bah, juge Ramoussit. Et puis pour nous dire tout, comme avocat et éjecté appel, il a fait appel dans la décision, puis il a cassé le vidéo et dans le coup d'appel, et bien nous-mêmes, nous disons que nous-mêmes, dans la société civile là, dans la politique là, nous venons camper pour nous dire que ça va passer. Le procès à Petro Caribea juste, équitable, ensemble avec Jovenel Moïse, parce qu'ils ont épinglé dans voler l'argent Petro Caribea, particulièrement Jovenel Moïse, dans deux dernières tranches rapport là. Nous, nos compagnons cités, comme nous qui gagotons l'argent, c'est dans ce sens ça. Nous disons aucun procès à Petro Caribea n'est pas possible ensemble avec Jovenel Moïse. Pouvoir qui consiste sur l'oppression psychologique, son pouvoir qui construit côté que sous base à massacrer la population haïtienne. Eh bien, nous prenons la rue pour nous dire que jeunesse, faut braver danger, étudiants, faut que braver danger, socio-professionnels, faut que braver danger, sinon pita val pitris. Parce que l'équipe Messier d'AMP HTK, la mission plan que vous avez, c'est exterminer la population haïtienne. C'est la population haïtienne qui mette la genou justement pour que vous continuez à gagoter, pour que vous continuez à vendre, si la vie est bien nous guérir dans le pays. Et nous connaissons, l'argent de Petro Caribea était capable d'améliorer les conditions de la vie, presque chaque grand haïtien. Parce que si nous avons une analyse comparée, nous avons une quantité de développement. L'argent ça a fait dans des pays qui étaient dans le même programme, non. Tant que la République dominicaine, tant que le Brésil, à un de l'autre pays encore, nous-mêmes, en Haïti, nous avons très loin avec 4,2 milliards de dollars. Eh bien, nous saisissons des juges, accimés, décidés, blanchis, il y a un ensemble de monde qui impliqué directement dans le dossier Petro Caribea, si nous avons considéré le rapport qu'on s'y met dans le compte. Et nous connaissons, qui est-ce qui est impliqué? C'est Laurent Labotte. C'est Martin Moïse, c'est Jovenel Moïse, c'est Matéli, c'est Agenor Kader, c'est ensemble Mounsayo qui crase 4,2 milliards de dollars qui devraient améliorer les conditions de la vie de la majorité haïtienne. Et bien nous-mêmes, étudiants progressistes, organisations dans l'université de l'État, nous conscients, toute l'organisation progressiste de l'État pays, nous présents devant le ministère de la Justice et le ministère de l'Économie pour nous dire que ça n'a pas passé, il faut que le procès Petro Caribea a fait. Voilà, mes téléspectateurs, il y a un sitting nous a dit qui presque fini en queue de poisson parce que les militaires eux-mêmes ont décidé pour le caoutchouc et sous route Bois-Vernat. Et nous m'a dit tout près, ministère de justice, côté que eux-mêmes, ils mettent barricade, ils ont aboulé caoutchouc, ils ont façon pour montrer protestation eux-mêmes, ils ont passé. Chacun nous connaît haïtien, lui-même, il toujours fait manifestation, fait sitting, fait marche. C'est boule caoutchouc, mettez et barricade dans mi-temps la rue, malgré présence de la police lui-même, qui a essayé, qui a tenté de retirer caoutchouc, mais militaires eux-mêmes, ils ont toujours été dans la rue pour dire eux-mêmes, ils n'ont pas d'accord avec l'ordonnance. Juge Ramon Sit Aksime lui-même, mettez dehors pour ta blanchir et plusieurs compagnies avec citoyens qui t'a impliqué dans l'argent. Dans le gargoté, bien sûr, l'agent Petro Caribea. Voilà, nous avons des policiers lui-même avec plusieurs militants qui ont parlé en pile. Et les policiers eux-mêmes, ils sont dans la rue pour demander
et militants yo et acteurs politiques yo et pour yo faire revendication passé mais sans violence sans et barricade sans caoutchouc cap boulé. Voilà on a poursuivre comment ça y est dans la rue. Voilà ça mes téléspectateurs ou t'as suivre comment ça y est et bon palais de justice côté que j'ai noté de là il y a un sitting qui finit avec le poisson côté que militants eux-mêmes ils ont boulé caoutchouc mettre yo paralysé et circulation hein. Et là tout militants eux-mêmes ils ont éparpillé ça cap voyer wash ça qui eux-mêmes dit fuck la police même aller en bas dans cité soleil dans Bel Air donc il a fait revendication passé gens qu'on habitué faire là c'est pour ça situation y est et tout près ministère de justice nous a dit yo sur route Bois Vernard côté que pas de circulation et bien c'est comme ça situation est dans la rue Port-au-Prince jeudi mardi 29 juin 2021 merci Nalka maître prendre studio c'était Gardi Barthelmy avec Price Blanfort pour Island TV mandat président Jovenel Moïse en prend fin référendum n'a pas acceptable c'est réaction professeur Auguste Ademiza sur dossier référendum là professeur a continué critiquer comportement opposition en Haïti qui pas répondre à qu'en fonction li bay tèt li a sou kisyon eleksyon yo. Li fè konnen li pou yon transisyon, men se pa jan sa ap diskite ya. Profesè ya propose yon solisyon ki dwe fèt avèk moun ki se referans nan peyi ya. Kèk moun ki rele notab selon li menm. Moun populasyon fè konfians. Li kwe fòk a transisyon sa pou te repons ki orijinal a kriz la. Li tap pale nan mikro Island TV. On a deux articles fondamentaux de cette constitution qui dit où tout mandat, ce qui est une aberration, hein, commencé le 7 février, et quel que soit l'heure entrée, ou perd du temps, ou jouer, ou prêter serment sur la constitution, ou accepter. Décret électoral a été dit même bagaille, ou accepter. Et il y a un autre article qui dit où toute modification par voie référendaire de la constitution est interdite. Son aberration, tout oui. Tout a. Modification pour avoir référendaire est interdite là. C'est-à-dire, si vous changez et modifiez volume avantage au début d'un sénateur, pas besoin de révision constitutionnelle, c'est ça. Parce qu'on a un paquet de nègres là, on a 140 nègres, 149 nègres, avec femmes, qui ont mangé 7 milliards de gouttes ou pas un résultat. Pour payer. Madame M. Moïse prend fin. Référendum non, pas acceptable. Une modification peut-être partielle ou totale. La modification vient totale, c'est une nouvelle structure. Changement total. C'est un changement total. Donc, nous ne pouvons pas justifier avec des vocalises en voulant interpréter les concepts comme ils veulent. Malheureusement, bon, où est l'opposition? Tout le monde est l'opposition. Pour moi, il n'y a pas d'opposition en Haïti. Une opposition propose, une opposition construit. Une opposition ne peut pas seulement critiquer. Et quand il y a des grands enjeux de société, opposition plurielle, rivée définie, ont vision unitaire minimaliste. Si on prend l'environnement politique là, actuellement, population en général n'a pas de confiance ni dans les pouvoirs, ni dans certains. Et aux majorités représentant opposition. Et bien, pour un chasseur. Le monde prend la rue, il n'est pas le relais pour un parti. Il prend la rue pour tête. Pour lui dire qu'il n'est pas capable à clamer ça, il n'est pas capable à misère, il n'est pas capable à gestion ça. Élection, transition, continuez là. Moi, je suis pour une transition. Il n'y a jamais une transition en Haïti. Alors, quelles conditions pour transition à parler à ta supposée fête? Moi-même, je propose une transition qui t'a organisée parce que non, moi-même, je relais les notables. Notables dans le sens ancien, ce n'est pas moi qui gagne l'argent, ce n'est pas moi qui a l'école plus, pas son autre. Notables, c'est moi qui référence là, dans le communautaire. Il faut acheter les notables qui pas obligatoirement pas gagner des politiques. Pas gagner qui pas gagner des politiques. Mais des notables que. Population a fait confiance. Je ne vais pas parler pour ne pas engager vie de monde. Mais il y a des gens dans la tête où je parle de la voix, je suis tout. Il y a des gens qui sont ministre de la Santé, on dit ah, ça a bon. Les gens qui ministre des Fils, ah, ça a bon. Je suis des notables. Je suis des justes.
même Jean Juifio, après la Seconde Guerre mondiale, t'es décerné le titre de juste ensemble de monde de tous les pays européens qui te permettent de sauver la vie de certains juifs. Nous parlons tout des citoyens et des citoyennes respectables et respectées. Parce que les noms dans la société, ça, c'est des références. Politique, là, faut le faire pause. Pendant 32 ans, la politique a détruit ce pays. Il n'y a pas eu d'altitude. Il n'y a pas eu d'attitude. On ne va pas payer sans chance pour nous faire une vraie, une vraie transition. En posant les vrais problèmes, mal en transition de rupture, non transition devant apporter des réponses pertinentes et originales aux crises vécues par ce pays. L'autre information, c'est mes téléspectateurs. Le groupe gang à 400 Maouzo, qui a simulé la troublée depuis quelques semaines dans la commune de Kouadé-Boukéa, envahi un nouveau système forage à réservoir d'Inépa dans Kouadé-Boukéa. Le bandit Sayou saisit Cléa et puis il a demandé 60 000 dollars américains pour le carimètre. Babi réservoir sa baye en pile l'autre côté de l'eau, tant que Gérald Bataille, Kouadé-Boukéa, Belleville et en pile l'autre côté encore. Mes amis téléspectateurs, c'est mon deuxième pause là. Restez branchés, pas déplacés. Merci à ce que toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais restez informations. L'Organisation d'État américain sorti un rapport sur mission Bon Office Conseil Permanent OEA. Te voyant en Haïti dans le commencement mois de juin. OEA recommandé nomination de l'autre premier ministre avec un cabinet ministériel qui a un accord PEP haïtien. Il faut qu'il y ait un climat de sécurité qui établit en Haïti. Et puis, recommandé nomination de un nouveau conseil électoral provisoire. En même temps, le Conseil électoral provisoire qui l'a connu mettait d'ailleurs un nouveau calendrier électoral. Le 26 septembre, c'est la date qui est réservée pour l'organisation d'élections présidentielles, législatives et référendum. Je les joue à l'équipe technique pour apporter toute précision en suivant. Dans le commencement du mois de juin 2021, tu as eu une mission de bon office de Conseil permanent organisation d'État américain qui était présent en Haïti dans l'idée pour te venir évaluer la situation. On a rappelé que il y a une crise qui est très aiguë qui a brassé le pays depuis quelques temps. On a joué une opposition toujours qu'on fait en pile manifestation. Ces jours-ci, ils font des ralentis sur ça. Ils ont toujours dit qu'il n'y a pas de cohabitation ni de gouvernement d'union nationale avec le président Jovenel Moïse. Il n'y a pas de dossier référendum. Il n'y a pas d'élection avec le pouvoir. Ça, eh bien, tu as gagné le conseil électoral. Alors, tu as gagné OEA, Organisation d'État américain, qui est venu évaluer la situation. Vinchita avec quelques acteurs politiques pour voir qui côté problème là et que pour yo essayer porter aussi des éléments de solution avec crise. Eh bien, dans le rapport que OEA a gagné pour le présenter et mercredi qui a venu là, mais il y a une bribe d'informations qui est déjà disponible sur le rapport ça. D'abord, dans le rapport ça, OEA fait qu'on est yo fait plusieurs recommandations. D'abord, c'est nommer un autre premier ministre d'Union nationale qui gagne toute crédibilité de population et puis établir un climat de sécurité dans le pays. Ensuite, nommer un autre, alors quelques autres membres du conseil électoral provisoire. D'abord, on a commencé avec un autre premier ministre. Notre l'a dit, quelle que soit la solution à la crise actuelle en Haïti, elle requiert les efforts de tous les secteurs de la société haïtienne, incluant le gouvernement, l'opposition, le secteur des affaires, les groupes religieux et la société civile en général. La mission a identifié trois objectifs, croit-elle, qui peuvent contribuer à elle à aller de l'avant. La nomination rapide d'un premier ministre et d'un cabinet ministériel qui aura la confiance du peuple haïtien. Un certain nombre de recommandations ont été faites par des participants qui ont indiqué notamment comment atteindre ces objectifs. Tout ça, c'est ça qui gagne un rapport, ça qui a présenté. Côté demandé, il faut que tu aies un premier ministre
qui gagne accord toute société civile là, accord population, hein, mais à reconnaître tout ça, n'est pas fait si pas gagne en tête ensemble, n'amita acteur politique yo, li plaide tout pour une nomination urgente, très urgente de premier ministre qui jouit tout alors largement support de peuple haïtien n'a plus gros transparence qui t'est qu'à exister. Donc mission à encourager acteurs pour redoubler de force dans ce qui concerne nomination pour le ministre pour être capable de jouer une entente nationale qui est capable de permettre de gagner un cabinet ministériel qui est monté avec plus large entente qui t'est qu'à exister dans juillet à la rapidement. L'autre point Organisation d'État américain souligné dans le rapport, ça c'est faut gagner des mesures qui sont très urgentes, qui prend pour rétablir un climat de sécurité dans le pays. On a rappelé dans la situation où est là, Haïti a vécu un moment qui est très difficile, côté gagner un pile kidnapping, un pile cas de violence, de criminalité. Droit mon yo pas respecté, gang exam a fait la pluie et le beau temps et les autorités pas vraiment arrivé avec une solution pour rejoindre. Comment ils sont capables de finir avec la situation. Après le dernier jour, le groupe gang a affronté une autre et dans quoi débloquer. Ils ont dit dans le pont funèbre, il y a un enterrement qui a fait, il y a les présumés de 400 Marozo, les présumés bandits de 400 Marozo qui allaient, ils ont mis du feu dans la bonne machine, ils ont mis du feu dans le commissariat. Donc, situation compliquée. Donc, c'est ça qui a traversé le pays. Il y a plus de kidnapping qui a fait de jour en jour. Ça qui préoccupait OEA, qui il faut que tu aies un climat de sécurité qui blaye dans le pays à précipiter pour capable résoudre les problèmes. Eh bien, si le président Jovenel Moïse, en 2020, était nommé un KEP, un nouveau conseil électoral provisoire, qui était gagné pour d'abord élaborer un projet de nouvelle constitution et puis et travailler sur l'élection, eh bien, OEA m'a dit faut que tu aies gagné un autre. Et KEP qui montait, il y a l'autre conseil électoral provisoire qui montait, mais cette fois-ci, il a bien crédibilité, il a bien confiance avec l'accord population. Donc, il y a sorti d'abord dans le premier ministre qui est choisi entre tous les acteurs et que KEP ça tout, il travail de concert avec le gouvernement d'Union nationale, ça, avec tout reste parti politique qui a gagné, quel que soit côté lié dans le pays, pour capable redémarrer pour élection, capable ouais dans quelle mesure il est capable d'organiser. Donc, il faut que tu aies gagné un nouveau conseil électoral provisoire. C'est dans le même contexte ça, où gagné conseil électoral provisoire qui là qui était monté président Jovenel Moïse était nommé qui annonçait 26 septembre qu'a venu là c'est date pour élection présidentielle et législative avec référendum là organisé après rappelé de 26 septembre référendum là était supposé fait 27 juin qui s'est passé là mais par rapport avec en pile contestation et puis avec cas COVID-19 qui t'a augmenté dans le pays le gouvernement t'a annoncé il était obligé renvoyer les eh bien il bail nouveau date là qui c'est 26 septembre qu'a venu là donc parti politique qui a gagné jusqu'à 6 juillet 2021 pour y aller inscrit pour y participer dans l'élection gagné 26 août c'est date premier tour élection yo doit être faite 21 novembre c'est deuxième tour élection yo et puis 7 décembre 2021 c'est date publication résultat yo gagné 16 janvier 2022 a gagné élection municipale avec local yo et puis 5 février 2022 c'est date publication résultat définitif élection municipale avec local yo si ça pour nous dire qu'on y a est-ce que avant tu gain problème insécurité kidnapping élection yo t'es contesté référendum là t'es contesté sans nous pas oublier remonter COVID-19 là en Haïti est-ce que si COVID-19 là t'a empêché référendum là été organisé 27 juin qui s'est passé là est-ce que dans 26 septembre qui a venu là il y a bien temps COVID-19 là a baillon souffle est-ce que insécurité a baillon souffle seulement au final c'est peuple haïtien qui pour décider de destiner les même gens OEA les souligner ça.
Institut bien-être social, un peu le monde connaît sous nom IBEZ, a bien 63 l'année, dans le mois de novembre 2021, qui est une institution de l'État qui occupe sur le respect des droits de l'homme, dans l'idée pour empêcher les subir abus et mauvais traitements. Pour nous connaître et comprendre qui sa institution ça a réglé dans le pays pour améliorer les conditions de la vie de l'homme, a une activité dans le local IBEZ là pour rencontrer une responsable capable de présenter le travail fait pendant plus de 60 années. L'invite à suivre l'assistance technique du directeur général là pour plus de détails, dans le Corinne Aristel avec Franz Picker. Nous comptons aujourd'hui à amis téléspectateurs pour nous trouver nous dans IBS, qui est l'Institut bien-être social, une institution étatique qui a occupé de non seulement problématique timounio, de traitement timounio, dans ça qui gagne pour eux avec trafic timoun qui a fait soit sur frontière ou bien dans toute République là, occupé le tour de timoun dans la rue, occupé le de timounio qui a déplacé ou bien a utilisé dans la question de violence. C'était l'occasion pour nous de parler avec et M. Diem Pierre, qui est assistant technique, directeur général là, qui est Mme Ariel Gentil-Vildouin. Côté le téléphone là avec nous sur ensemble des actions institution ça a fait pour juguler ensemble des problèmes ça et réfléchir ensemble tout, qui ensemble de solutions ont envisagé pour être dans ce sens ça. Mais plutôt, si vous êtes avec moi, mes téléspectateurs, M. Diem Pierre, pour plus de détails. En fait, normalement, nous gagnons deux aspects que nous avons supposé considérer. La question là, c'est comme si nous avons demandé est-ce que tout droit de Simonio est protégé. On l'autre bord, c'est demandé est-ce qu'il n'est pas protégé. Donc, si répondre ou dire oui et tout protégé, c'est comme si nous n'avons pas témoin de un ensemble de difficultés et que chaque jour, nous avons essayé de combattre un ensemble de challenges qui sont dans le secteur, nous avons essayé de combattre pour nous assurer que définitivement Simonio est protégé. Mais si nous avons dit non, ça n'a pas été fait, c'est comme si nous avons oublié toute intervention qui est faite dans le secteur A et depuis la dernière année, que tout le monde témoigne de ça, qu'au niveau national, qu'au niveau international, tout le monde témoigne de niveau de service que nous baillons, de qualité et service que nous baillons, dans l'objectif pour que tout le monde soit protégé. Si nous avons regardé ensemble l'action qui est faite dans la question d'adoption, ensemble l'action qui est faite au niveau et orphelinat, ensemble d'actions qui sont faites pour les gens qui sont victimes d'abus sexuels en particulier, les gens qui sont dans la situation de. Qui sont victimes de traite et de trafic. Donc, je pense que si nous prenons un petit temps pour aborder peut-être un point et seulement, moyennant l'autre question qui va venir, nous sommes capables de garder d'abord les gens qui ont même à voyager. En pile fois, moun yo pas toujours comprendre les mesures là et souvent poser question, c'est ça qui fait c'est un premier point nous aborder. Mais notre social à partir de l'idée que gagner un ensemble de petits monde qui victime de trafic ou ensemble de petits monde qui victime de traite, mais notre social prend un ensemble de décisions et notamment décisions pour que chaque petit monde qui a quitté territoire là les gagne autorisation de départ, notamment petit monde qui a voyagé avec une tierce personne. Ça veut dire que mon maman, le papa, il est nécessaire pour gagner autorisation. Autorisation, ça permet que limiter clairement et avec toutes les informations que nous gagnons en coopération avec la direction de l'immigration et de l'immigration, avec l'autre partenaire international et des ambassades qui liés avec nous dans le combat, ça montrer que nous avons avancé très significative qui fait. Côté que actuellement, si nous partons dans les meilleures conditions et limiter le phénomène ça qui est attaqué et très souvent. Alors, il est presque sûr, même si c'est un temps il est capable, difficile pour capable dire mais qui chiffre de Timoun qui est associé à ce phénomène ça a été développé dans différents quartiers. Mais en fait, incertain, c'est que vous connaissez que Timoun est victime de ça. Ça, c'est un point incontournable. Si vous êtes victime de ça, non seulement par rapport à la peur, non seulement par rapport à la violence que vous avez témoin, et violence sur victime, notamment jeunes filles en particulier qui subissent en pile et violence, et le fait que en pile famille tout obligé de déplacer à l'autre côté. Nous connaissons qu'actuellement, il y a plusieurs milliers de monde et plusieurs dizaines de milliers de monde qui sont censés en déplacement. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement et la caillou. Nous documenter toute information ça yo et m'a bail seulement pour
et centre sportif de Carrefour qui c'est un espace qui te gagne en pile communication qui fait sous lui, c'est que gagnent plus passé 440 monde qui au même et en dans espace là. Mais dans cas ça, ça qui fait que et on va l'expliquer normalement type d'intervention que nous fait contrairement à l'autre type d'intervention que nous capable faire, c'est parce que tout si monde ça yo accompagné, ça veut tout si monde ça yo avec famille yo. Donc le petit moun yo avec famille yo bon mode approche, les pas avec famille on l'autre approche. Ça veut si moun ça pas avec famille yo automatiquement bien social t'va récupérer et tout petit moun ça yo. Mais le fait que petit moun ça avec famille yo travail qui fait avec eux c'est autour de famille. D'abord, une action et qui fait sous question ça mais un peu à distance tout, c'est que nous supporter plusieurs organisations qui ont même a fait travail de ça veut dire activité psychosociale. Ça veut dire qui yo même a intervenu pour permettre que ti moun yo et famille yo et libérer yo gérer et tout traumatisme yo capable vivre et pendant et période ça. Ensuite, nous gagnons et à travers on l'autre organisation il y a des bagages que nous préparé tout pour continuer et faire moun yo joindre tant que tout matériel d'entretien et tant qui dans Clorox et autres et tout produit d'hygiène d'eau et un vaste programme de renforcement familial côté que qui partit déjà de orphelinat tout qui considéré et quatre mois dans orphelinat côté que nous à permettre que famille ti moun en Haïti gagne moyen de fonctionnement comprendre d'abord que ti moun c'est responsabilité en premier et deuxièmement l'est pas capable pour l'état capable bail opportunité pour ça donc gagne en pile moyen et qui déploie un ensemble de réflexions qui fait gagne un ensemble d'avancées qui fait mais maintenant tant comme toujours dit c'est pas un bagaille cap et river réaliser non jour de jour puisque c'est pas comme une formule pour comprendre phénomène là c'est toute majorité opération qui fait avant eux fait non est fait en aval ça veut dire c'est des opérations qui fait tant qu'on a un robinet ouvrir de l'eau à couler et pouvoir passer mop de pouvoir passer mop bien entendu de l'eau à limiter mais de l'eau pas jamais capable fini puisque robinet a pas fermé. C'est ça que fait. Première action, nous fait chaque jour, parce que chaque jour, nous recevons des gens qui travaillent, et des gens qui dans la rue, ça qui travaillent dans la rue, ça qui ont même habité totalement dans la rue, ça qui ont même gagné des difficultés avec parents, ou fugué, et puis dans la rue. C'est chaque jour, nous travaillons ensemble avec un groupe, c'est chaque jour, nous avons des résultats, nous avons des différences dans la vie de ces gens. Pendant ce temps, toujours des gens dans la rue. Ça veut dire, pour me retourner avec image robinet c'est que ti moun sa yo prend comme si c'est de l'eau qui a coulé dans robinet et puis ou même on nettoyer de temps en temps donc pour permettre que yo fonctionner ou permettre ou bailler assistance par contre robinet a toujours été ouvert et robinet j'aime te dire là c'est le fait que gagne de graves problèmes au niveau de questions famille des familles qui est disloquées des familles qui gagne des difficultés énormes et c'est pour ça dans réflexion qui fait jodia c'est mettre en place un système côté que renforcement famille ou fait donc opération qu'a mené actuellement c'est des opérations pour renforcer famille et tant que j'aime te dire déjà nous gagnons assez ressources humaines stables qu'on y a pour nous mener opération de manière plus évidente parce que de toute façon tant comme te dit avant faut gagner moyen. Et actuellement, il y a des moyens qui mettent en place pour nous amener une opération. C'était comme ça, ça a été les amis téléspectateurs à l'interview avec l'interview que M. Diem Pierre s'est accordé nous sur ensemble problème de Timounio à rencontrer dans le pays d'Haïti. Il s'est livré nos impressions sur non seulement le problème de Timounio, mais sur qui ça, IBERS, qui est l'Institut de bien-être social, compte faire pour non seulement réduire, mais éliminer. Mauvais traitement, mauvaise situation que les gens vivent chaque jour dans le pays d'Haïti. Pour te servir dans le cadre de ce spécial, c'était serviteur René Aristen et Franz Picard depuis dans le local IBERS, qui est l'Institut de bien-être social. Nous sommes téléspectateurs, nous venons dans un moment pour nous observer la troisième pause noire et te brancher, pas déplacer.
Merci d'être toujours été branché, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pour la mairesse information. Yon réunion vitiel faite jeudi mardi 29 juin en tant que sa force à gouvernement mette sous pied à plusieurs autorités dans l'État. Partenaires internationaux, tant que OCHA et OIM, sous prise en charge à monde qui déplacé à cause de bandits examen fait courir quitter Kayo dans la zone métropolitaine. Prise en charge humanitaire SILA doit baser sur le logement victime. Pour raison SILA, parti d'accord pour activer ressources et puis moyens pour élaborer un agenda de localisation et relocalisation au monde SAYO. Je vous annonce la gratitude aux amis téléspectateurs. Cet présumé bandit mourit quand on est dès l'autre jour en arrestation. Et puis plusieurs matériels, tant que munitions, armes saisies. C'est bilan et opération. La police nationale dans le département Nord a mené dans la nuit de samedi 26 juin dans le quartier qui relie dans Zombie, qui joue dans tête monde dans la zone de Camp Fort, section communale handicap. Ce nouveau porte-parole de la police dans le pays, inspecteur divisionnaire à Wolajan, qui baille chiffre si là, il y a une conférence pour la presse. À lundi 28 juin, il a profité de présenter le bilan de l'autre opération de la police menée dans le département, soit 23 pour 26 juin. Dans le micro-correspondant, nous dans le nord, Héroud Kodada, pour LNTV. La police constate que il y a 7 individus qui sont mortellement blessés. Donc, en compagnie du juge Samuel Philippot, qui a fait constat, la police était ouéo avec les honnêtes et tout, que j'étais dans eux. Maintenant, pendant le constat a fait, il y a un groupe de bandits qui a positionné un point stratégique dans le monde, dans une position qui est presque inaccessible. C'est à pied les policiers arrivés là. Et ils ont commencé à tirer sur la police. Ils ont tiré un pile coup de sang sur la police et la police était obligée de désengager pendant un petit temps pour lui retourner sur cette scène de crime par la suite avec l'autre unité, des unités de la mairie, etc. Et c'est là que la police est retournée pour lui constater que 6 parmi 7 suspects qui étaient mortellement blessés, ils ont boulé. Bon, selon les premières informations qui viennent joindre nous, c'est à part des gens dans la population qui ont un problème avec ça, qui ont mis du feu sur ce site-là et qui ont fait ça. Donc, direction départementale Nord, la police, ouvre une enquête pour déterminer dans quelles circonstances que du feu ça a été mis sur ce site-là. Et donc, dans la même opération, ça, la police a saisi 3 armes à feu, un fusil de calibre 22 et puis 2 armes créoles que nous avons gardées là. Ensuite, la police a saisi 66 cartouches que nous avons là. Et dans 66 cartouches, nous avons 47 cartouches de calibre 56 mm. Nous avons 11 cartouches de calibre 7.62 mm. Et nous avons 2 cartouches de calibre 12. Ensuite, 3 cartouches de calibre 40 mm. Et 3 cartouches 38 plus 1 chargeur 9 mm. Et la police saisit tout, un fusil balle et une longue vue avec un carnet de banque sur le site. Et deux suspects, c'est Sinclair Wilson qui a 20 ans et Justilien Gilbert qui a 25 ans. Bien sûr, la police est toujours en parfaite collaboration avec la population hein, et c'est suite à CRIO avec différentes plaintes qui ont été mises par les SDPJ contre Mounsayo que la police a fait opération. Alors, il faut dire que Mounsayo, le 18 juin qui s'est passé là, il a trouvé la Cali, un individu qui est le Péré ainsi connu, et en janvier 2021, il y a trouvé une dame gros vente qui a les chachou, ainsi connu, qui est madame mon autre chef de gang qui a un problème avec eux. Et le 3 juin 2021, tout, il a été boulé en bus dans le carrefour 7 km. Donc c'est des gens qui ont fait. Bon, et espace côté bandits, yeah, c'est seulement bandits qui habitent l'espace. Ils ont construit des ajoupas, et puis ils ont été dans l'ajoupas. Et les gens qui ont arrêté dans la zone côté pour monter côté, ils ont mis les gens dehors dans le carrefour. Mais pour Kounia, la police mettait toute zone sous contrôle avec des patrouilles et qui a fait régulièrement pour la population en confiance.
Fédération nationale de football haïtien a organisé une journée porte ouverte lundi 28 juin 2021 dans la ville au Cap dans l'idée pour sensibiliser la population sous COVID-19. Le ministre religieux Vodou a dit qu'il profitait de l'initiative pour bailler participants pour capable renforcer le système humanitaire. Prêt à vos doigts, Idriss Anira fait connaître des matériels toujours pour bailler mon dans cette terre. Il était parlé dans le micro-correspondant de notre sud, Richemont Joseph, pour YNN TV. Et 6h du matin, le bureau Vaudois dans le sud, l'ouvrit dans le cadre d'une sensibilisation que KNV avec Jeunesse Vaudois, lui-même l'a fait, dans le cadre pour protéger les gens contre le coronavirus et tout. Et nous donner des informations comment pour être capable de respecter les gestes barrières qui sont 1,50 m là, et puis mettre cache-nez et puis montrer comment tout la population comment être capable d'utiliser le feu et pour capable renforcer l'immune système pour capable boumer avec le virus si vous apprenez. Et puis tout, montrer mon qui j'ai tout pour protéger les gens pour pas bien et pour nous parce que nous sentons que. Le département sud là, il presque on laisse pour compte dans le cadre de mobilisation contre le corona parce que nous, malgré un peu de monde qui a mouru dans la ville locale, mais nous pas senti vraiment instance concernée faire des activités. Mais nous-mêmes qui sommes sensibles pour la vie moun, dans ce secteur de droit, nous disons que nous-mêmes, on travaille pour nous. Si au moins Périssil nous côté que tout plus fort monde qui est malade dans Périssil nous revient, pour cela, nous faisons porte ouverte ça, pour que nous avons un grand. Soit au robinet, bokit, pour mettre de l'eau avec Clorox pour nous capables laver mes yeux, nous capables d'utiliser pénicillium, avec tout pour nous capables bailler mon yeux, cache-nez et pour nous capables protéger au niveau pénicillium. Et nous fêter d'arrêter, nous presque fini là. Nous fêter, t'es à qui s'allier, t'es à c'est des ingrédients que bon Dieu met dans la nature, des feuilles, des ingrédients que bon Dieu met, nous prenons bouillir là, et nous te fait deux sortes de tisane. Youn à sel, parce que c'est de goût et puis youn à sucre. C'est des ingrédients qui sont capables de renforcer l'immune système et chauffer le corps pour le virus là entrer, pour être capable de goûter avec lui, pour être capable de battre le virus là. Et la fin de tout, comme je dis bien, à part de théa que nous-mêmes nous baillons, nous baillons tout et nous faisons nous respecter les 50 ans. Et nous tracer, montrer mon comment MSC est capable et faire mon nom mettre cache-nez et l'air dans la rue parce que le virus là vraiment la tuer mon nom. N'importe qui a boité parce que c'est une naturelle, il n'y a pas d'irréversibilité, il n'y a pas de feuille qui est capable de battre mon l'autre maladie. C'est qu'on faut prendre là, au contraire, si le jeune ou t'as l'autre maladie dans où, autre que le corona, il est capable même aider au combat à l'autre maladie, il est capable de guérir en pile l'autre maladie qui est au gessé. Donc, vous êtes sucré, vous êtes capable de santé qui est lié deux. Et ingrédients qui sont essentiels là-dedans, qui font un gros effet net, qui est fait le fait. Si vous avez un monde qui a vu perdre la tête, il y a des problèmes. Cerveau, t'es ça, t'es sucré, lui-même, là, fait un impact sur le cerveau. Parce que si vous avez un monde qui va à l'école, si vous avez un crétin, il ne va pas apprendre, t'es ça, il y a deux feuilles là-dedans. Il y a des feuilles basiliques. Il y a des feuilles qu'on s'en là-dedans, c'est des feuilles qui ont même renforcé le ménage du monde, fait que le monde vient d'être intelligent. Deuxième bagarre encore, nous gagnons. Que l'autre feuille, c'est celle-là lui-même, qui vient des bagailles qui vient un gros forte antibiotique là-dedans, qui est capable au moins pour combattre l'infection. Par exemple, ou une laille, son produit qui est capable de combattre l'infection. Il y a un eucalyptus là-dedans, nous connaissons l'eucalyptus, son feuille, qui va en pile chaleur, qui va en pile chaleur, et lui-même tout, lui renforce l'immune système. Par exemple, l'eucalyptus, tout vient encore, vient du. Et il vient rendre la circulation sanguine nous fait plus facile. C'est une raison que fait nous-mêmes, aujourd'hui, nous baillons tête nous et initiative ça, nous baillons tête nous, comme holocauste pour faire une population au moins capable de l'avoir. Pour finir, les amis téléspectateurs, dans une visite à directeur au DVA, Jocelyn Jean à Cassiléus du Nord, magistrat commune Marchand de Salines, visité plusieurs travaux qui rajoutent depuis plusieurs jours dans la troisième section Ponjou, dans la commune Silla, correspondant nous dans la Tibonite, Daniel Daniel Abdinoplis.
Dans quatre visites dans la troisième section marchande des salines, responsable ODVA, Jocelyn Jean, arrivé constaté, d'après lui, divers travail ODVA en main dans la commune marchande des salines. C'était occasion pour responsable ODVA faire quoi, malgré maigre moyen yo gagné, yo continué, en pile côté dans la vallée, à regarder ça yo café. Amis téléspectateurs, nous prenons vite au côté, Jocelyn Jean, lui directeur général, organise développement vallée l'Artibonite, là, ODVA. Là, on a fait une grosse visite. Troisième section marchand des salines et visite ça c'est ODVA Cafel avec magistrat du Nord. On a fait visite ça pour nous garder qui travaille n'a fait au niveau des troisièmes. Là nous avons remarqué, on a regardé rivière Cabeille. C'est une rivière qui a arrosé une partie dans la troisième section OG. Mais rivière ça elle descend, il fait un pile de dégâts au niveau des jardins. Plantation au niveau de Kaimounio dans la zone. Non? Eh bien, décision n'a été prise ça. Mais ma magistrat, nous avons une décision pour nous mobiliser l'équipe excavatrice. Et son travail a commencé depuis 3-4 semaines. Côté, nous avons un gros curage au niveau de la rivière ça. Et nous avons continué à faire travail ça. Nous avons continué à faire visite ça pour nous capables de montrer la population, le travail qu'il a fait au niveau de toute zone, au niveau de toute section, au niveau de toute commune dans la vallée. Côté qui a fait le travail qu'a fait, il a montré mon zéro qui travaille dans la même occasion. Ça, magistrat communal marchand des salines, là, Dinor Sileus, déclaré, travail ça yo, continue à faire dans marchand des salines. C'est grâce avec GFOR, équipe KP dirigé Meria, dans l'idée pour porter une solution by planté yo, dans marchand des salines. Dernier temps ça yo, cap connaît, en pile moment difficile. Nous prenons vite tout côté, et l'autre côté, Dinor, lycée magistrat communal marchand des salines, pour plus de détails. Même si vous êtes allé dans la radio, vous n'êtes pas au courant des dégâts. Mais vous avez fait les mieux possible que vous avez nos matériels. C'est ça, moi, visé les guerres de l'occupation de Joseph, vous êtes à côté de lui. Mais le matériel est venu, il faut dire clairement. Dans le moment où le matériel est venu, c'est le moment pour délivrer le peuple. Parce que si vous avez 4 jours passés déjà dans le matériel, l'eau s'est envahie. Mais je vous dis, regardez la satisfaction qu'il y a aujourd'hui. Même si vous avez dormi, la pierre est tombée, il n'y a pas peur. Parce que l'aide de sa sortie, c'est envahi section, envahi net, c'est que même si tu es à machine, ou pas si tu es sur route nationale là, sur colonial là. C'est que machine c'est capable pour à pied. Mais je veux dire, on a dit, travail ça qui fait dans le vieux cabé là, on a dit une solution quand même. C'est que je veux dire, le cabé n'a pas sorti. Mais pour ça, tout le monde, il faut féliciter la population qui a contribué avec nous, qui a appuyé par eux. Parce que je veux dire, net n'est pas eux-mêmes qui sont venus en contribution avec nous, ballon gaz, pour dériver qui est le cabé là, je veux dire, le travail là, qui va être effectif. Mais je veux dire, la collaboration ODVA, vice-délégation, sénateur Garcia Delva et la mairie, à la population, je veux dire, nous arrivons à une solution avec Mme Kabela. Moi, c'est Daniel Danio depuis le département Artibonite pour LNTV. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous mettre un bout à le journal là pour aujourd'hui. Mais avant de nous aller, quittez-nous rappeler tout le grand point. Malgré OEA recommandé la nomination d'un nouveau conseil électoral provisoire. KEP actuel là mette d'ailleurs un nouveau calendrier électoral. 26 septembre, c'est date qui est réservée pour l'organisation élection présidentielle, législative et référendum. Et puis 21 novembre 2021 pour deuxième tour élection. Plusieurs militants, acteurs politiques et membres diverses organisations bases de planqué piquet devant le ministère Justice et le ministère Économie et la Finance pour continuer à exiger bon gens procès pour l'agent Petro-Caribéa et puis protester contre l'ordonnance juge Gamoussi Aksimé de sortie 21 j'ai passé à une sitine qui a fini sur le bois Vena en bas barricade à Kakarotchou. Le groupe gang en 4 Samarouzo qui a semé la toulaye depuis quelques semaines dans la commune Kwale Bouke a envahi un nouveau système de forage à réservoir d'Inepa dans Kwale Bouke. Bandi sa yo saisi Kléa et puis mandé 60 000 $ américains pour le carimètre Klesila.
7 présumés bandits mourus quand on est 2 autres journalistes à son lieu et puis plusieurs matériels de coups, munitions, armes saisies. C'est bilan une opération de la police nationale dans le département Noa. Mené dans la nuit samedi 26 juin dans un quartier qui relait dans Zombie qui jouait dans la tête morte dans la zone de Cap Fort, section communale handicap. C'est ensemble pour ça que les diverses autres qui ont été développées. Vous êtes branché à la télévision LNTV pour cette programmation. Bye bye tout le monde.